Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et The Firefly. The Firefly System. Ouais, on est parti pour une deuxième partie de Mario Kart CTGP. CTGP. Ouais, c'est trop bien ce jeu. Et du coup, bah, on fait cette vidéo suite à une demande, je pense. C'est surtout suite à une demande. Ouais. Et puis, bon, on s'est dit, voilà, il y a des nouveaux circuits, pourquoi pas. Pourquoi pas se faire chier à faire une nouvelle vidéo. Voilà, tout à fait. Et on est bien en choix, parce que, oui, au choix, parce que sinon, ça va remettre un peu les mêmes circuits que la vidéo précédente. Oh non, on fait aléatoire. Oh, purée. Et au pire, si, au pire, on comprend la vidéo, si ça fait toujours le même circuit. Ouais. On fait aléatoire. Ouais, non, mais... Si, si, on fait aléatoire. Oh là là, oh là là. Oh là là. Mauvais choix. Soumission. Aléatoire. Ah, pas de soumission. Oh non, mais non. Moi je fais pas ta vidéo autrement. Ça sera coupé au montage. Luigi time. Ah, tu peux prendre un... Ah non, non, faut que je prenne un gros. Ouais. Bon bah... Voilà, Bowser squelette. Drive Bowser. Il est trop lourd, même si c'est un sac d'os. Il a fait du basic fit. C'est quoi ce véhicule? Je sens que ça, c'est du gros caca. Accélération misérable, dérapage misérable, mini turbo il y en a pas, maniabilité, oh bah il y a rien du tout. Ouais, max et vitesse max. On va choisir cette merde. On va choisir cette tondeuse là. Faut déjà que je ne cale pas au début. Oh yeah. Alors, un très beau circuit déjà. Ça donne envie de rentrer dedans. Ouais, ça donne envie d'acheter un casque à réalité virtuelle. Oh, cette vitesse. En fait, c'est... Là, attends, on a un objectif de classement ou un défi. Toi qui es devant moi... je sais pas, moi. Non, il faut que tu sois au moins sur le podium. Et toi, ton défi, c'est d'être premier, quoi. Ouais. Oui, d'être premier. En fait, y'a pas trop d'idées. Ah, purée, il faut aller sur la pyramide, là. What? Ah, mais après, il faut aller où? Oui, je suis dans l'espèce de boue, oh, là. C'est beau, ça. C'est marrant. Heureusement que ça a été un peu indiqué avec une petite flèche. Le boost, là. Oh, purée. La pyramide à boost. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il y a un champignon. Hein. Ah, et purée, c'est spécial ce circuit. Hein. Mmh. Ah, c'est bien, c'est un nouveau circuit en aléatoire. Donc Firefly n'avait pas totalement tort. C'est pas mal ce choix. De toute façon, je suis 12ème. J'ai fait pas mal de déserts. Peu de route. Ouais. Tu as pas mal roulé dans le désert du Sahara, quoi. Oui. Merci. Ouais, pas dans la réalité, mais... Non, pas avec une Volkswagen Touran. Ouais. Ça, c'est le projet 2025. Mais qui restera secret. Pour le moment. Ouais. J'ai prévu de diffuser mon road trip sur la chaîne. Mon road trip. Et de faire de l'ombre à Oliver Plasma. Oh là là, la carapace, quoi. Elle a mis 3 plombes à tomber, elle est tombée au pire moment. Oh là là, à chaque fois je tombe dans le... Salut. Salut. Oh là la catastrophe. Pauvre Bowser, hein. Il a un look assez assez hard, mais bon, il se fait un peu bolosser. Ah, broc. Hein. Il se fait un peu bolosser, le pauvre. C'est pas tellement un délinquant, quoi. Ah, mais il se rattrape à coup d'étoile, à coup d'action replay, là, il se passe quelque chose. Oh, champignon géant.
Ah oui, là c'est quand même mieux. C'est ça qui est bien dans Mario Kart, oui. On peut rattraper. On peut se rattraper en deux secondes. Ouais, une remontada avec, avec des objets bien cheatés. Ah, tu connais ce lexique footballistique? Oui. Un pote qui n'arrive pas de le dire et tu le connais, ah, oui. Je pense. Mister X. Mister X, en effet. C'est vrai qu'il avait déjà fait quelques vidéos. Enfin, quelques. Ouais, je pense que ceux qui l'ont vu. C'était dans FIFA. Manifestez-vous, mais franchement. C'était pas du haut niveau. Je pense qu'il y a eu 10 pouces vers le bas. Ah, FIFA, ça allait, je crois. C'était Mario Bros, là. Ouais. Les vidéos à l'arrache. Oh merde, je suis deuxième. Ah, avec le vieux best-of tout moisi sur Pokémon Colosseum. Ouais, j'étais pas loin de gagner. C'était pas loin. Allez, au cas où, hein, Bowser, il a quand même une petite protection, une petite visière, là, devant son véhicule, là, un petit truc. Pourquoi pas, hein. Bon, c'est pas un motard, mais bon. Temps de chargement. Ah, ah bah, c'est... Ouais, je connais Mario Kart Wii U. Game Boy Advance. Non, Mario Kart 8. Ah ouais. Qu'ils ont repris. Enfin, il me semble que c'est une reprise aussi de la Game Boy Advance, mais... Voilà. C'était écrit GBA. Ouais. Oui, mais tu vois, sur Game Boy, ça monte pas autant, là. Là, ah, ça oui. Monte comme sur Wii U, quoi. C'est ça. C'est une version du pauvre. Mince. C'est, si on n'a pas de Wii U, voilà. Bon, j'en ai une, mais je joue à ce circuit. Tu joues beaucoup à la Wii? Plus trop, maintenant. Mais... C'était l'époque... En fait, on revient sur la Wii. Même plus souvent sur la GameCube. Ou la PS2 avec Sly Cooper. Ça sera un beau moment, ça. Surtout le jeu multijoueur. Voilà, peut-être une vidéo prochainement. Pas sûr. Bon, pas tout de suite. Fireflav ne peut pas faire deux vidéos d'affilée. Non, j'ai une voix très fragile. Par contre, il y a d'autres endroits où je suis moins fragile. On en reparlera hors antenne, bien sûr. Voilà. Il vient s'éclater contre moi. Ça tourne pas. Ma maniabilité, quoi. Ah ouais, le véhicule il tourne pas, je suis obligé de freiner des fois. Purée de fiche. Oh. Belle esquive. Ah, on est déjà au troisième tour, merde. Oui. À chaque fois je me fais... Firefly vient de se réveiller. Bien, je me fais avoir. Les virages. Pourtant j'ai le meilleur véhicule pour les dérapages. Le meilleur pilote aussi. Oh là là. Oh oui. Fais chier. Oh merde, ça tombe sur moi, mais purée. Ah bah oui. C'est un truc de taré, ça. Non, ça va. Ouais, c'est... Ça va, mais... Dark Brother prend du... prend de l'avance, déjà. Luigi number third. Luigi number two... Number three. Number two. Sur le classement général. Mm. Ouais. Attention. Coral Keep. T'aurais dû laisser le trailer. Ah oui, mince. On l'a fait celui-là, mais pas en vidéo, je crois. Bon. Oh là là, ça se bastonne. Oh, oui. Ah, c'est violent là, on se croirait à Paris. On se croirait dans Paris. Ah, et puis c'est super court celui-là. C'est vrai. C'est qui devrait convenir à Yoshi? Pourquoi?
Je sais pas, ce Cascade Yoshi, c'est un circuit super court aussi. Ah oui. Oh là là. Oh la banane. Oh la banane, oh purée. Hyper bien placé quoi. Tu vois, je suis premier au troisième tour, mais je sens que ça va caler. Ouais. Ah. Je te conseille une deuxième. Ça arrive un peu avant l'arrivée. Ça va, je t'ai pas écrasé. Oh purée, la carapace. Oh, pourquoi j'ai pas fait de dérapage? Oh, serait-ce magnifique? Ah. Oh non, c'est nul. Chier, deuxième. Oh, il tourne pas ce véhicule. C'est horrible à la fin. Il faut bien tourner. Ça se resserre. Vous pouvez voir un talent indéniable au niveau de notre skill monumental. Voilà. C'était la réponse. Un skill qui vient de l'intérieur. Le fameux retour du paix de stress. Quand on finit deuxième, on a toujours la pression de... ou l'objectif de finir premier. Oh yeah, un petit champignon. Oh yeah. Ah purée, le champignon, il est pas assez grand. Putain. Oh, train de... Et moi, je passe devant. Je pense qu'avec ce blanc là, on n'entend que les bruitages des manettes. C'est beau. Les manettes GameCube, les manettes les plus bruyantes de toute génération, je pense. Ah bah là, on s'en fiche, hein. Il y a quand même, il y a le voyant rouge, hein, mais bon, on passe quand même. Hein. Le train n'est pas totalement là. Petite carapace bleue. Oh, ça redémarre pas. J'ai l'impression que Bowser squelette a calé avant. Débraye. Débraye, il y a une petite descente là pour ton tracteur. Yes. Ce circuit est très long, hein. Ah, purée. Un circuit repris de la Nintendo 64, il me semble. C'est pas très original, mais... purée, mais... Touché. Ah, ah t'as la... T'as la rigolée, une fusée. Putain, heureusement. Une fusée, quoi. Trop purée. Tout le monde s'est retrouvé à terre en même temps, c'était impressionnant. Il y avait presque autant de soldats que tu rentres totalement. Ah, la fusée a remplacé les chiens de garde de Firefly. Je vais finir encore en milieu de classement, comme le FC Nantes. Oh, oh là là. Oh, oh yeah. Oh, Dieu merci. Oh, c'est ah mince, t'as eu de la chance. Je pensais que t'étais explosé. Pourquoi j'ai dit Dieu merci? Bon, moi je suis tranquille deuxième. L'objectif est déjà atteint. Eh oui. Bah, atteint. En bonne voie. Oh là. Ah, un petit classique. Ah oui, il était dans l'ancienne partie, je pense, celui-là. Désolé. C'est pas très original. Merci pour ton choix. Bah si, on a eu un aller-retour vraiment... Oui. Pas mal jusqu'ici. Bah, faut aussi revenir au haut la racine. En fait, c'est depuis la mise à jour, là, ça va. Parce que j'avoue qu'avant...
Ouais, même la première version, quasiment la première version, là, au début, ça mettait toujours les mêmes circuits. Alors qu'il y en avait plein. On avait déjà 200, quoi. On doit être à 240. Ou... Elle est tourne. Wow. Bien les prendre serrés les virages. Bon, sauf qu'il y a les flaques d'eau évidemment. Putain, je me débrouille vraiment même. Oui, là, voilà. Je freinais un petit coup, sinon je vais dans la terre. Je suis déjà un peu allé dans la terre. Ouais. Wow. Il est pas mal ce circuit. Ouais. Classique of the classic. Ouais. Le tracé est sympa. J'ai vraiment du mal. Oh là, ça se bouscule. Yes, petit boost. Ouais, c'est quand même bien cheaté les motos, parce que là, revenir aux cartes, je vais. Faut comprendre qu'on préfère rouler en carte, mais juste pour le fun comme ça, parce que sinon, pour la technique. Oh purée, encore dans le truc. Ça tourne pas. Fais chier. Purée, à chaque fois je perds sur des trucs. Oh la fusée là, les gars. Oh bordel. Oh la fusée. Crotte de chien, crotte de nuit. Encore une fusée, mais c'est fou ça. Oh yeah! Y'a personne derrière? Wouhou! Oh! Tu vas prendre des points, mon gars là! Oh! Oh! Il s'est mis en mode tracteur. Vas-y! Oh, je suis mort! Aucun respect! Yeah! Objectif atteint pour le moment. Y'a plus de game! T'as fini en tracteur tondeuse. Ouais, voilà, oui, là j'ai bien tondu la pelouse. Oh putain. Oui, c'est une ferme. Un véhicule... J'ai le véhicule pour, là. Ouais, ça va. C'est pas un Park Baby, hein. Un Park Baby, tu souffriras. Oh purée, un Park Baby, ce serait horrible. Non, mais véhicule pour, parce que c'est un tracteur. Voilà. Un petit classique, ça fait du bien. Et... Le prairie meumeux de l'époque, celui-là. Ouais, c'est sur Nintendo 64. Purée, mais il me chope tout. Elle, l'IA, elle est en très difficile. Elle est ouais, en difficile, je crois. Elle est pas en très difficile. 150 et difficile. Mais t'as pas de très difficile, t'as ah oui. Facile, normal et difficile. Elle est au maximum, là. Ouais. Elle est violente, là, l'IA. Aucun respect. Je crois que j'ai des facilités, mais... On va dire qu'en facile, c'est le conducteur moyen qui est prudent. En normal, c'est les Vendéens. Ça devient déjà un peu costaud. Et en difficile, c'est pareil. Oh là, c'est quoi ça? Espèce de Hamla. Ah merde. Espèce de Hamla. Ouais, c'est plutôt fait pour toi là, après la menu. Ouais. Parce que les virages sont assez larges. Ouh.
Oh purée. Oh ah, purée. Loin. Vas-y, 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 Dédé. Il a mis 4 ans. Ouais, tu vois, là, je me fais doubler par tout le monde. Ah ouais. Oh, Mario, il a failli te... Ouais, pourtant on est frère. Bon bah, ah, égalité, oh là là. Pourtant on est frère. Il y a beaucoup de suspense, ouais. Je sais pas si vous ressentez ce suspense de chez vous. Peut-être pas. 68-68. Les 3 viewers qui regardent. Oh non, mais non. C'est pas un live. Ah non, j'aime pas ça. Mais non, mais c'est la GameCube là. Aucune originalité. Oh, c'est ce TGP, hein, mais c'est pas double dash. Hein. On le rappelle. J'ai toujours du mal sur ce circuit. Ah, purée, il fait plus petit là. Il fait tout petit. Alors que dans double dash, il est beaucoup plus large. Enfin, la route est plus large. Non. Ah, purée. Ah, les véhicules, ils vont pas aussi vite. Dans double dash, ils vont pas aussi vite. Ah là, il y a un problème au niveau des véhicules. Enfin, tu sais, les passants, là. Ouais. Ouais, bah les véhicules. Ouais. Ouais, mais on est des véhicules aussi. Ah, des cartes. Yes. Oh, Mario, Mario. Oh, Mario. Putain, mais d'habitude, t'es nul, Mario. T'avances pas, d'habitude. Oh là, oh purée, j'ai fait un glitch. Oh mais non! Mais l'étoile de merde qui arrive d'un coup. Oh putain. Oh purée, oh. Je croyais qu'il y avait deux cubes. Comme dans Mario Kart double dash. Oh la fusée! La fusée! Elle était perdue! Ah moi je prends plus de fusée. Et fonce dans le pilier. Bon voilà, c'était la fusée. Attends, Martes. Ah, on sent... Ouais mais là c'est plus une ligne droite. Là c'est une ligne droite donc ça. Il n'y a pas de choix droite. À faire. Ah mais je te jure, elle a fait demi-tour et hop. Aucun sens le bordel. Oh là mais il avance pas. Putain c'est moche. Ah voilà. Je pense pas que ça a changé grand chose. En fait, je vais freiner quoi. Ah les virages ils sont trop serrés pour mon véhicule. Ah purée. Oh baby. Ah, dégage Mario, dégage. Voilà, voilà, prends-toi le camion. Purée. Oh purée, j'ai sauvé le monde. Il y a eu un Luigi time. J'ai sauvé un peu les mêmes, mais Oliver Plasma a sauvé. Oui, mais... De 5 points, ça. Ça va. C'est pas beaucoup. Tu pourras faire parler ma... mon dérapage. Pour une deuxième fois, je peux être 11ème. Oh, c'est quoi? Ah, il est pas mal celui-là, mais ouais. Il vient de la 3DS. Bon, on arrive à mi-parcours là. À mi-chemin. Mi-chemin de la course. Le suspense est toujours palpable. Ça, c'est beau, il y a du suspense là. Comme au tennis. Ah, mais les fans ne vont pas comprendre. Comme à Mario Tennis, ils comprennent mieux. Et voilà. Ah, c'est vrai qu'il y a eu du suspense aussi à Mario Tennis. Oui, Oliver Plasma s'est fait battre à plat de couture contre Fireflav au tennis. Non, pas à plat de couture. C'était un peu serré. Oui. Mais 3-7 c'est bien ça. Bah ouais, 3-7 à 0. Ouais. Oui. Ouais. Ah, mais c'est bien que ce soit pas toujours les mêmes qui gagnent. Hein? C'est bien que ce soit pas toujours les mêmes qui gagnent. Pourquoi toujours les mêmes? Non, je rigole. Tu fais référence à quelle activité? Bon, je vais pour Mario Kart. Il passe dans l'eau, lui, il va aussi vite que nous. Non, il est moins vite dans l'eau. Alors, ils ont repris la physique de Mario Kart Wii U. 3DS. Ouais, c'est des sections là. Bah, du coup, c'est qu'un tour. Ouais. Mais il est long.
Ouais, on a déjà au moins la moitié. Oui. Putain, merde! Ça ouais, du coup, ils ont fait ça à la place, là. Ah, merci. Normalement, là, tu t'es en deltaplane. Ah, c'est pas mal, ce qu'ils ont fait. Voilà. C'était un peu la balade, hein. Là. Oh putain, les cons. Ah. Laissez-moi passer, bordel. Laissez-moi passer. Laissez passer le chef. Je sauve les meubles et Oliver Pestion prend encore de l'avance. Ouais. Il est temps d'avoir un Park Baby. Le Park Baby. Même Baby Mario, il est passé devant moi. Oui, oui. Fait chier. Park Baby. Ça veut... Il va y avoir Park Baby, là, parce qu'il y a Baby Mario devant, c'est un signe. Non. C'est un peu... Oh ah, purée, c'est le circuit Star Wars, je sais pas quoi, là. L'étoile de la mort. L'étoile de la mort. L'étoile noire. Je l'ai d'ailleurs toujours pas vu, Star Wars 9. C'est le dernier. Oui. Bah bon, c'est le dernier. Ah, oh, purée. C'est vrai. Il y en a un, là. Bah, c'est le dernier des derniers, j'espère. Limite, il est plus au courant qu'il y a Sonic le film qui sort que... que Star Wars. Ah, mais c'est toujours la même histoire. Il y a toujours la fille, là, et puis... Oui, puis Ray, Ray, et puis attends, le Black. Ouais, le Black, et puis le méchant. Hop, oui. On se souvient plus. Je sais plus. C'est... Sky. Je crois qu'on va avoir un pouce rouge là. Je sais plus si c'est Sky. Non, c'est pas ça. Skylander. Voilà. Kylo Ren. Ah oui, Kylo Ren, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Allez, on aura plein de pouces bleus. Oh, purée. Grâce à Fireflame. Il a sauvé les meubles. Et le Black, il s'appelle... Finn. Ah oui, c'est vrai. Oh yes. Deux pouces bleus, s'il vous plaît. Deux pouces bleus. Quel t'as... Mais ah, t'as bon. Fait quoi, là? Ah oui, d'accord, c'était t'es ouais. Petit. Ton vrai concurrent c'est moi ou Baby Mario? Non, c'est plus toi, Baby Mario je le vois pas trop. Ah, y'a Mario aussi. Ouais. Ouais, si Mario des fois. Il est quatrième des fois. Enfin, il est quatrième. Il m'a touché comme un crevard, Baby Mario là, un circuit là à la fin. C'est un sale crevard. Le circuit de Gamecube là, double dash. Dans la ville champignon. Pas du niveau du circuit GTA. D'ailleurs, peut-être qu'on va retomber sur le circuit GTA, mais j'espère pas parce que on l'a quand même déjà fait dans la précédente vidéo. Je sais plus qui avait gagné d'ailleurs. Je sais pas. Des fois, je raconte le circuit GTA. Peut-être la revanche de Fire ou moi. Mais... Merde, je me fais attraper. Hop. On est dans le même bateau. Oh là là. Oh purée, j'avais des bananes en plus. T'avais tout, mais non. Hop. N'oublie pas que je perds ce championnat sur cette course. Il n'y a pas que cette course. Ouais, mais là, c'est quand même la course Star Wars, c'est vrai. Mais... Hop. Je sais plus si on l'avait faite. Je crois pas que c'est qu'on est tombé sur celle-là sur la vidéo. Ah si. Dans la vidéo, c'est foutu. J'ai perdu tous les moyens. Je sais même pas si je mérite de continuer. Watch out. J'ai perdu confiance en moi. J'ai loupé le cube. Il est énorme le cube et je l'ai loupé. Ah purée. Allez. Allez Jean-Pierre. Oh et les bananes. Oh putain, ça sert à rien, c'est le circuit est hyper dur. C'est pas de pas aux champignons jaunes. Oh merde, oh 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 oh, un peu de respect. Oh là. Oh purée, non, on fait pas ça.
Respectez-moi, s'il vous plaît. Je suis Luigi le stagiaire. Eh, on peut pas recommencer le circuit sur cette version. Celui-là, Oh, j'en reste deuxième, mais c'est quand même ridicule. Ouais. Ma victoire finale est compromise. Victoire finale. Faudrait un baby park. J'avais prévu une victoire. Oh, c'est vrai, bof. Frappe Snowland. Ça amène de la diversité. Ouais, ça a pas l'air faux. Ah, mais c'est le circuit des saisons, ça, non? Non. C'est un circuit des saisons où ça change à chaque fois. Ouais, non, ça c'est sur, celui sur DS. Ouais, ok. Ah, il fait leur fluff s'y connaît sur DS. C'est un pro. Moi j'y ai presque jamais joué, du coup je connais presque pas les circuits DS. Moi je connais parce que j'ai fait des records contre la montée. Oh là là, là, surtout de Park Baby. Imbattable. Imbattable. Même par un chinois. Un speedrunner en herbe. Un japonais. Et oui, faut croire que Fireflav préfère une vieille croix directionnelle pour conduire un kart qu'un stick directionnel. Putain, je suis toujours aussi nul. Faut sauter. Oui. Ah ouais, mais faut faire la flèche du haut là. Ah ouais. Je l'avais déjà dit plusieurs fois. Le stick ou la flèche du haut? Non, la croix directionnelle. Ouais. La croix du haut. Tiens, je t'envoie un message. Tiens, je suis pas content. Un message codé. Assez compréhensible. Pas content. Pas content. Ouais. Papa Angry. Comment il s'appelle? Angry Dad, je sais pas quoi, là, dans les Simpsons. Je connais pas cette référence. Voilà. Une gridade, un truc du genre. Cet épisode est magnifique d'ailleurs. D'ailleurs, le grand-père, il meurt dans quelle saison déjà? Il est pas mort? Non. Ah, il... ah non, c'est la grand-mère. Ah oui. La grand-mère qui apparaît sur un épisode. Là. Ouais. Bah, elle est là que sur 3 épisodes peut-être. Ouais. Le troisième, bah, elle meurt. C'est cool. Voilà. C'est la vie des Simpsons. Oh, je me fais vide. Oh là, je perds tous mes moyens, c'est fou ça. Mais c'est... Comment il s'appelle aussi? C'est Maud là, un truc du genre. Là. La femme de Ned Flanders. Ouais, je sais, elle est... c'est Homer qui est tout. Ouais. Ah ouais, oui, il l'a tué, en fait c'était elle était dans des dans les gradins là. Mm. Et lui il a demandé une petite bière. Et puis hop, quelqu'un l'a balancé comme ça, hop tiens une bière. Et puis après il s'est baissé et hop, elle s'est chopé le truc et elle est tombée. Du gradin. Voilà. Tout ça à cause d'une connerie d'Homer. Enfin, pourquoi tu sais c'était une bière ou je sais plus quoi, mais voilà. Oh purée, les fans comprendront. Oh la troisième, il m'a doublé comme un crevard Mario. C'est vraiment la lose. Oh, je suis même plus sur le podium. Donc là, même mon objectif, il est... Mon objectif, c'est d'être au moins sur le podium quand même. Je suis remis en question. Fasse une thérapie. Encore un circuit de teubé. Fireflav va-t-il faire une bonne paire à la fin? Il va balancer la manette. Je préfère faire une Roger Federer. Ouais. J'ai toujours gagné. Roger Federer. Ça, c'est comme le prénom Jason. En français, Jason. C'est moche. C'est toujours plus classe que Roger. Roger devient Roger. Je préfère Roger que Jason. Mais... Ah bon? Ah ouais, moi je trouve pas si ridicule que ça. Ah. Ouais, c'est un circuit GBA. C'est un peu une déception. Il n'y a pas des circuits originaux là.
Bah, vous voyez un circuit GBA en 3D. C'est bien. Sachant qu'ils sont vraiment pas terribles, les circuits GBA. Ça passe vite fait. Sur DS, ils sont vachement bien par contre. Ah là 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 là! Oh, t'es de l'avance. Hein. Ouais. Un petit peu. Ah, les ordi ils sont perdus là. Ils sont pas au courant que c'est un circuit officiel en fait. Ouais, c'est vrai. Allez, un petit pack baby pour me remettre dans la course. C'est un circuit officiel mais de la Game Boy. Ah. Oh, oh yeah. Oh oh oh, originalité, originalité. Yes, on dirait un beau bureau. Un magnifique bureau qui a des bugs graphiques. C'est, oh, bien. C'est super ce circuit. Oui, à la 3DS. Ça c'est beau. J'adore ce type de circuit en miniature. Oh lolo. En mode c'est Toy génial. Story. Ah c'est ça. En mode Toy Story. Et c'est pas le même en plus, ça c'est bien. Ah, celui-là, il y en a un autre, mais c'est sur un circuit. C'est celui-là. C'est sur un petit circuit pour les petites voitures, les petits jouets. Quoi. Il était au ralenti sur celui-là. Ah, il y avait non, un il était toujours accéléré. Oui, c'est ça. Il allait très vite. Ah, là, il y a la petite collection de DVD, tout ça. Il y a ah, puis ouais, mais c'est terrible ça. Ah, non, c'est des piles en fait. Ouais, c'est des piles. C'est des piles qui ont une drôle de forme. Vous savez, la Wii peut faire très peu de polygones. Merci. On peut nettoyer une étoile, voilà. Vous le savez. Je sais pas qu'elle va venir aussi vite. Je suis obligé de faire une manœuvre. Oh merde. Ouais. Je suis c'est ah, de l'apprivoiser. Oh putain. Ah, la DS Lite, la 3DS. Oh, bah, je passe de petit à gros. Ah, ouais. Plus tard, un circuit sur une. Ouais. On pourra rouler sur une Super NES. Fiche. Il y a bien eu un circuit DS, c'est là. Enfin, que dans le mode bataille. Ouais, en mode bataille. Non, mais c'était. Il était fun. Ouais, c'était. Il n'y avait pas beaucoup de cachettes. Oui, mais il était mieux que le circuit GameCube. C'est un cube, voilà. Ouais. D'ailleurs, ça se rattrape. Attends. Purée, j'avais une carapace dans le dos. Il a balancé sur le côté ce four. De toute façon j'étais aux maisons. Oh faut pas aller là. Je sais pas pourquoi je suis allé là. Je te vois aller là, du coup. Moi voilà. Je suis le big boss hein. Le challenger. Tiens j'ai une compte de vie. Oh c'est classe. Je voulais l'enlever mais je me suis dit allez. Oh, j'ai une manette en main. Qui n'est pas la tienne. Qui n'est pas la mienne. Par contre, je suis passé de la première à la dixième. Allez, purée, c'est compliqué, là. Yes. Oh là là, attention, vous freinez. Oh, purée. C'est n'importe quoi, la carapace, quand même, dessus. Allez. Ah, oh, je voulais t'écraser, salaud. Ah ouais, mais je me suis fait un peu défoncer, quand même. Hop. Salaud, connard, t'es en forme en ce moment. je gagne. Ah purée, dis-moi pas que je vais perdre. C'est complètement idiot. Ah purée. Affiche. Oh mais non. Mais non. Mais non, ils me doublent tous. En mode tracteur.
Même quand t'arrives 11ème, j'arrive toujours pas à gagner. Oui, en plus. Ouais, après, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, j'ai trop d'avance encore. Faudrait faire un autre truc comme ça. Un pack baby, mon dieu. Oh yeah. 16 pack baby. Oh, oh non, mais non. C'est moche. C'est la 3DS, la purée. En plus, lui, on l'a déjà fait dans l'ancienne vidéo, ça, je suis presque sûr. Non. Je suis presque sûr qu'on est tombé dessus. On va voir. Il est vieux celui-là. C'est un des tout premiers circuits de Nintendo 54. Non. 54. Ouais. Mais non. C'était marqué 3DS celui-là. Ouais, mais c'est interprété par 3DS. On a repris, ouais, ça. C'est écrit dessus. C'est le titre. Ah ouais, si c'est écrit. Nintendo 64. Nintendo 54, oui. 54 bits. Attention. Bon, je vais essayer un peu d'avance à Oliver pour qu'il se mette en confiance. Ah oui, après, je lui envoie un petit message. Un petit message codé. Tiens, faudrait qu'on fasse un. Ça me fait penser c'est un morse, à. Voilà. Ça me fait penser à Worms quand j'envoie des fusées. Ça vient de rejouer. Ah. Oh purée. Parce que tu m'attaques. Allez, bah oui, c'est parce que les bazookas, voilà. Chaque fois, je fais mon four, mais je finis par perdre. Je suis le premier à lancer la guerre et puis après. Allez, il faut qu'on s'allie Oliver Plasma. Et puis après un petit coup de four sur moi. Et finalement. On a déjà fait ce jeu en vidéo Je crois pas. Ah, on voulait le faire mais on l'a pas fait, je pense. On l'a pas pu. C'est dommage. Oh là là, mais. Oh là là, mais. Mais. Je suis passé dessus sur bébé Mario, c'est pas possible. Oh, il est beau. Ah merde, j'ai même pas pris beaucoup d'avance, tu vois. Putain, mais c'est qui qu'on envoie deux d'un coup? Non, c'est l'ordi, il en a envoyé un pour toi et puis après moi. Dégoûté. Oh là là. Oh là là. Voilà, the reaction of Firefly. Oh, pourquoi il donne son adresse? Merde, tu pourras couper s'il te plaît. Voilà, Firefly a donné son adresse. Non, parce que des fois on a des pseudos avec son adresse, oui, son code postal. Mais après il faudra que tu coupes. On regardera la vidéo pour voir si t'as bien coupé. Oui. Il faudrait me souvenir d'où c'est. C'est dans ce circuit, voilà. Au troisième tour. Sinon, tu vas peut-être recevoir des messages, des petites minettes du coin. Oh purée, j'ai eu chaud. Une poule sur la ligne. Avec bon, je conforte ma deuxième place, c'est toujours ça. Un peu comme les services de Fireflame. Des fois ça passe pile poil sur la ligne et c'est mortel. C'est quand je suis pas fatigué, après quand je fatigue, je les mets plus en ligne. Voilà. Ah. Il y a S3. CTR, Bizarre, Bluff. Ça, c'est un nouveau, ça. On ne le connaît pas. Il y a S3 circuit et Oliver Plasma. Je pense que si tu termines premier à celui-là, c'est bon, t'as tout assuré. Mathématiquement, c'est pas bon. J'avais la musique du supermarché en fond. Supermarché Coco. En tête. Oh là là. Je suis 8ème avec mon pauvre banane qui a disparu. Quelqu'un a foncé dans ma banane. Je suis pas content, j'ai plus d'objet. Ah. Oh là là, mais doubler tout le monde avec un magnifique drift. Croire que des fois, sur certains virages, avoir une maniabilité pourrie, ça a ses avantages. Oh purée, Mario, Mario!
faut du rentre dedans là. Challenger. Auto-tamponneuse. Ah, il va rayer la magnifique carrosserie de mon tracteur. Ouais. Oh. T'as de la chance. Ouais, j'ai vu qu'il était devant, donc du coup après j'étais tranquille. Ouais, j'avais même pas fait gaffe, ouais, les Goombas ils ont un petit chapeau de, du Père Noël, un petit bonnet. Howard's de la meilleure idée. Incroyable. Ah, ils ont pas fait de Bowser Père Noël. Bowser squelette Père Noël. Yeah, écoute du métal mon gars pour Noël. Ah purée, je... quand j'ai l'occasion de prendre de l'avance, je me fais Metallica. Voilà, il prend mon cul en plus. Tiens, prends ça. Ouais, tu peux te faire des potes à tout gagner. Ouais. Je regarde avec détail la déception qui se lit sur son visage de Fireflame. J'ai raté ma vie. Une partie. C'est moins une partie. Oui. Oh. C'est pas ça qui va me faire gagner des places. Circuit connu, encore. C'est pas le bon. Version Wii, donc un peu moins beau. Quoique, il était sur 3DS à la base, lui. Il était un peu plus beau sur 3DS. Il y avait un effet de reflet sur l'eau, tu vois, et tout. Voilà. Il y avait du spéculaar sur l'eau, c'était stylé. Spéculoos. Voilà. Tout à fait. C'est l'effet de lumière, quoi, en gros. Sur tout ce qui est liquide. Donc, en gros, par exemple, une enrobée, enfin, l'enrobée, si elle est grasse, si elle est. S'il a plu il y a pas longtemps, voilà, il y a du spéculoar. On dit ça dans un jeu. Tu dis ça aussi à ton boulot? Non. Ah non. Non mais comme tu prends les routes en... Ah là, il y a du spéculaar, on peut pas aller sur le terrain. Non, il faut dire route humide juste. Oh purée. C'est quoi ça? C'est un cri personnalisé. On dirait Waluigi qui est content parce qu'il vient d'être invité dans Super Smash Bros. C'est curé. Voilà. J'ai mis doigt. Je connais pas cette histoire, mais le personnage le plus apprécié, enfin que les joueurs kifferaient voir dans un jeu, c'est dans Super Smash Bros, c'est Waluigi. Elle n'y est pas. Est-ce qu'il n'y est pas et tout le monde le Wario réclame. Il y est. Oui. J'arrive à tout défoncer. Moi je mets dans les palmiers. Moi je prends les palmiers. Je pensais avoir une crampe d'eau. C'est plus tennis. Ouf. Le sport. Il n'a pas l'habitude. Oh non, c'est un piège ça. Oh là là, oh là là. 12e. Est-ce que je mérite 12e? Oh. Tu vas peut-être faire une remontada comme FC Barcelona. Et voilà. Oh. Purée, y en a une qui a une étoile derrière moi. Ah voilà, je savais. Oh purée, deux étoiles dans. Comme Rennes contre Nantes, voilà. C'était un peu n'importe quoi ce match. Ne me remets à mort pas ce genre de. 2-1. Ah non. Ah, mais là, je suis mort. Salut. Oh purée, j'arrive même plus à faire de virage. Est-ce que je finis sur le podium? Je sais pas.
Aussi. Ah non. Ouais, j'ai 10 points d'avance. Sur le podium, devant bébé Mario. Soutenez-moi sur Twitter, sur les réseaux, sur Instagram. Sur Instagram. Sur Pictagram. Sur Facebook. Facebook. Ouais. Sur Twitter. Sur, oh, c'est quoi ça? Sur vidéo.com. Oh. Aquania. Putain, on finit sur un truc tout moche. Aquania. Ouais, on pourra refaire une course à 8 circuits. Oui. Aquaman. C'est pas un super-héros, ça? Si. Il y a eu un film d'Aquaman il y a pas longtemps. Je sais pas s'il est bien, mais je pense qu'il est pas terrible. J'aime pas les films sur les super-héros. C'est un peu chiant, c'est toujours la même chose. Bon, pas un petit Batman. Petit Batman, pourquoi pas. Ouais, parce que c'est un anti-héros, c'est pas un... Oui, voilà. C'est un détective, donc c'est bien. Petit film policier, quoi. Purée. Version DC Comics, voilà. Bon. Bah d'ailleurs, j'ai toujours pas vu le Joker. Ça fait un petit moment qu'il est quand même sorti, quand même. Ce qui paraît, il est monumental. J'attends qu'il soit dispo sur Netflix. J'ai quand même vu Sonic, j'ai quand même vu Sonic avant le Joker. Et on peut dire que Jim Carrey a sauvé les meubles. Ouais. Malgré le fait que Sonic soit doublé par Malik. Malik? Hein? Malik Bentala? Ouais, le fan du PSG là. Ouais. Putain, ouais, il y a une voix qui colle pas du tout. Bah, toi aussi tu te fais avoir ici? Oui, à chaque fois. Il y a une voix qui colle pas du tout au personnage. On dirait qu'il lit son texte. Mais voilà. Bon, je l'ai regardé en VF parce que j'ai des potes qui ont la flemme de lire en VO. VO STFR. Moi aussi, j'ai pas pensé. Ouais. Tu n'es pas un puriste. Tu n'es pas un élitiste. Tu sais, comme les Kiku Jap là qui veulent toujours regarder en japonais sous-titré. On a des très bons doubleurs en France pour oui. Pas mal de. Après, celui qui, le doubleur de Jim Carrey est très bien. Oui. Et globalement, tous les doubleurs étaient bien, à part celui de Sonic, et Sonic c'est un peu le personnage principal, donc c'est un peu problématique. C'est quand même un vieil humoriste qui fait rire personne. Oula, il va peut-être pleuvoir des pouces rouges. Quoi? Non, je rigole. Ah oui, je pensais que c'était parce que j'étais tombé. Ah, non. C'est pour mes commentaires. Malik Bentala. Ouais. Bon, il doit pas avoir beaucoup de fans quand même. Oh, sur la chanson, il a pas mal de fans. Après, c'est un peu, je pense, le style Kev Adams. Oh, c'est un peu plus. Un peu plus recherché. Putain, je vais peut-être pas finir sur le podium. Yes, je suis né troisième. Yeah, on a tous accompli notre destin. La vidéo est finie. C'est notre destin. À bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Un petit podium, même pas. Ouais. Petite référence aux inconnus. Voilà, c'est magnifique. 186 points, mais... C'est pas mal. Même avec un véhicule de merde, je suis complètement devant, quoi. Peut-être refaire 4 circuits, un petit bonus. Et... Quelle heure là, parce que je commence à fatiguer. Oh bon, ça va, 22h20. Vous voulez une deuxième manche avec 8 circuits? Est-ce que vous pouvez répondre? On vous entend pas. Public? Public adoré. Bon bah, on va faire un autre. Ouais, j'ai oublié que je suis pas en live, je peux pas faire de live avec mon ADSL. Oh, elle est funky, non? Ouais. Il est à fond. Ah, la plante, allez, plante carnivore. Ça a l'air pouille aussi. T'as mis 8 circuits en... Ah mince, non. Y a pas 8 circuits, là.
Voilà. Ou 12. Alors si vous remarquez des petites coupures, ouais, en 12. C'est normal. On a eu okay. Des intervenants extérieurs. Voilà. Ok. Ok. Attention, 8 circuits, c'est reparti. 12. Allez, 12, c'est vrai. Oh yes, oh ça c'est ma spéciale. C'est ma spéciale. En plus, c'est quand on a fait en off. Voilà. Ouais. Du coup, t'as pu t'entraîner là. J'ai les mains qui sentent la galette. C'est ce que t'as mangé il y a à peine une heure. C'était trop beurré. Je le dis en off. Je le dis pas devant ta main. Faut encore faire une coupure. Et quand il y avait des oiseaux qui chantaient chez moi, on faisait pas de coupure. Ah non, non, ouais, on va laisser ça, c'était marrant. Oh, ils sont tous décédés, les viewers. Les viewers sont décédés. Ouais, ils ont changé de chaîne, là. Là, ils sont partis regarder le Savon, là. Non, non, mais je veux dire, les les mandarins, ils sont tous décédés, chez moi. Ah. Oh purée, bah quoi, c'est... Tu parles d'un truc triste, soudainement. Ils avaient 10 ans. Oui. Une belle vie. Voilà, que de souvenirs. Tu as joué avec eux à Prince of Persia. Ton ordinateur. La vidéo à 2 balles qui dure à 6 minutes. On va peut-être mettre, si on y pense, un lien dans la description pour la nostalgie. Et c'était tellement pour et pour. Merci, ouais. Oh merde, troisième tour déjà. Et pour rendre honneur aux petits oiseaux qui ont perdu la vie. Ouais. Oh yeah! Yes, 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 yes! Good job! Elle est un poil mieux la plante. Ouais, elle tourne bien la plante carnivore, mais elle roule moins vite. Elle tourne quand même mieux. Elle bon. A une animation. Ouais. Fireflub remarque toujours ce genre de petits détails. Il regarde aussi si les spectateurs ont des animations là. Ouais, mais sauf que c'est des planches. Mais en fait, c'est des planches c'est de des pixels. Autocollants. Et ouais, voilà, c'est des autocollants que tu peux mettre sur ta voiture. Ah, t'as déjà fait ça, motocross? Non. Ça va bien, Waluigi, c'est en plus le motocross. Waluigi, ouais. Allez. Let's go. Oh purée. En plus, ouais, ça fait penser au stade Waluigi, c'est la même musique. Ouais. Stade Wario. Stade Wario. Ah, il y a un Stade Waluigi. Ouais, mais c'est une autre musique, Stade Wario. Mais oui, il y a un Stade Waluigi. Ouais, je pense qu'on a déjà eu cette conversation. Et c'est vrai que par contre, avec les grillages là, c'est... ça fait penser au Stade Wario. Allez hop. Il est pas mal ce circuit. Il est sympa et visuellement. Ça ne casse pas trois pattes à un champ, hein, mais même si ça n'a pas vraiment de pattes. Hop, là, je le sens pas. J'ai mal pris le truc. Là. Fais chier, Toad. Oh là là, oh là là. La fusée a quand même duré un petit moment. Et je tiens à le préciser. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras peut-être devant. Ça veut dire que j'ai cliché. Tu n'as pas utilisé le code de l'actual replay. Et on vous l'a pas dit, mais on a une actual replay dans la Wii.
pour ça que j'arrive aussi bien avec un véhicule aussi pourri. Oh. Vous ne savez pas, mais j'ai pris les caractéristiques de d'une moto match. Merci. Ah purée, je fais la même erreur. Bon, en fait, je suis trahi parce que je viens de me faire toucher et j'avançais à 2 à l'heure après. L'accélération pour Rav, ça vient pas d'une moto match. Putain, je comprends rien ce que tu dis. Moto match. C'est la moto cheatée du jeu. Ah oui. Ah, quoique en vrai, elle accélère pas trop quand tu te fais toucher. Peut-être t'as la moto standard, moto match. La standard, elle est pour Rav sur presque tous les trucs sauf. L'accélération quand tu te fais toucher. Elle repart vite. Quoi ? Après t'as la moto Dolphin là qui est hyper cheatée, surtout quand tu prends Mini Bowser. Voilà. Oh ! Ça va ? Voir le stadium. Hein ? Allez, on juste fait après. Et en plus c'est DS. Ouais, ça. Fire Flav va gérer. Ça, c'est pour Fire. A Fire Moment. In your TV. Je crois que tu réfléchis. J'ai eu un gros machin bloqué. Le son, il est pas très fort, mais je crois que ça va empiéter sur le micro. Un petit peu, quand même. Au pire, je mettrai que le son du micro, en fait, pour le jeu. Ça fera kitsch un peu. C'est encore pire quand il y a les deux sons en même temps. Voilà. C'était les méthodes clochard de Oliver Plasma. Petit tuto prochainement sur la chaîne. Ah bon? Comment capturer avec un avermédia? Bah, chez autonome, ça fait tout. Voilà, vous appuyez sur le bouton rouge. Oh. Passé en puissance. Eh oui, Funky Kong. Oh là là, cette insulte. Oh là là, oh là là. On a fait pareil. Oh le bordel. C'est viandé. Oh putain, j'ai utilisé mon accélérateur quand j'étais en l'air. Quel handicap. Oh là là. T'aurais pu me doubler là. De toute façon, on est au deuxième tour, j'en parle pas. Je dis ça, mais au troisième tour, je serai au deuxième. Donc. Une fiche. Oh. Elle est revenue dans la gueule. C'est beau. Ouais, faire le circuit parfait. Oh, fiche. Tu me reverras plus. Gros singe. Je vais prendre la vitesse. Je vais te semer. Oh, il s'est viandé. Bah, c'est pas viandé. Ah oh là là. C'est pas vraiment viandé. Non. Il s'est ralenti. Il a fait une petite erreur. Fuck. Tous les joueurs Flav, bilingue. Pour avec coup pas trop, on y arrive pas. On est alliés pourtant. Mais... Oh là là. Ça redémarre ici. Allez tiens. C'est bon, t'as décrassé. Oh merde, je pensais que t'avais pas de banane. T'as décrassé. Oh, oh fais chier. Je serais tombé un peu plus avant, j'aurais fini premier. Ce petit hop. Limite, je vais mettre un bruitage de Mario quand il saute sur un Goomba. C'est exactement ça. En plus, on a déjà eu cette situation, mais c'était sur le circuit de...
d'Alice au Pays des Merveilles. Ah. J'avais glitché devant. Enfin, j'avais... Oui, 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 il y avait un truc comme ça. Ouais. Ah oui, tu t'en souviens un peu. Bah oui, t'en souviens. Bon, rien n'est perdu. Une chance d'y cache. J'assure pour l'instant le podium. Ouais. Oh là là, oh là là, le JPEG en haut. Oh là, quand je vais relancer The Witcher 3 ou Ni No Kuni 2 sur mon PC, ça va faire un choc. Oh la skill. Oh là, le Bowser, il est à fond. Oh, ma petite banane, Bowser, tiens. Ok. J'espère que t'aimes les protéines. Concentre les chiens. Je sais que c'est très fun à regarder pour vous. Il y a, ah ouais, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de commentaires, oui. Hein. Oh là là, purée, c'est moche. Ça. En fait, on fait pas le même tour. Ouais, c'est hyper moche. Oh, je suis bloqué. Oh, il dit coulouse. Il a glitché, mais sans le vouloir. Ah, purée. C'est quoi ce virage là? Le truc à 90 degrés. J'imagine en vrai, dans la campagne, un petit virage à 90 degrés, un petit virage en épingle, là, on se croirait sur un circuit de rallye. Les Vendéens en PLS. Parle beaucoup des Vendéens à ton boulot. Un petit peu. C'est surtout à mon ancien boulot. Ouais. Donc c'était pas long. Ah mais non. Mais non, t'as plus le truc. Eh, hey, tu vas te faire avoir, attention, prends pas le truc jaune. T'inquiète. Ouais. Ouais, parce que c'est un circuit évolutif. Attention. Un peu comme dans Sonic All-Star Racing Transformed machin chose là. Transform. Oh, la musique qui stresse. Oh Bowser, oh j'ai cru qu'il s'était chopé la lave. J'y ai cru. Un peu. Ah, une carapace bleue, je l'ai entendu. Je pensais qu'il y avait 5 tours. Ah oui. Ah, purée. Ah mais c'est vrai qu'il y a un circuit qui ressemble un peu à ça, il y en a 5 je crois. Il y en a 3 oui, mais ils sont très très longs. C'est un labyrinthe. C'est un peu dans l'espace aussi, comme ça. Là. Mes déchets à la fin. Il a failli se prendre le cube. Non, calculé. Et ouais, la victoire s'approche pas toi. Une nouvelle fois. Mm. C'est triste. Quel enthousiasme.
Ça va donner quoi dans le micro? Dinosaure. ça va devenir un bruitage. Ça va devenir un bruitage dans mes sagas MP3. De quoi? Attention, il y a un monstre, Maria. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que c'est le même public qui suit tes sagas MP3? Non. C'est nouveau ce circuit. Oui, c'est bien. Merde. En plus, c'est un petit style Castlevania. Voilà. Voilà. Un petit style Halloween, quoi. Vidéo Halloween. Footage de vie. Bonjour à tous et à toutes. C'est Fireflame and Oliver Plasma. Et on est parti pour une vidéo Halloween sur King Kong version GameCube. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce jeu, Oliver Plasma? C'est un très bon jeu, voilà. Sorti en 2005. Sorti en 2005, Ubisoft, voilà. Voilà, on a fait le tour, maintenant on va jouer. Les notes. Branson. Ah, Brandon Weiser, t'es là? Une autre vidéo, une autre. Tu couperas tout ça au montage parce que je pense que personne connaît les références. Ils vont pas référencer. Tu mets la vidéo en lien. Ouais. Est-ce que le commentaire n'est pas supprimé depuis? Non. Non, il est sur toujours. Ok. Non, c'était des barres quand même. Oh, puis. Oh, quoi? Ça n'a aucun sens. Je suis allé un peu sur le côté et ça fait comme si j'étais tombé. Alors qu'on tombe, pareil. Il est pas mal ce circuit. Ouais. Il est joli. Une bonne direction artistique. Là, ce serait presque cru sur un vrai Mario Kart en fait. Graphiquement. C'est assez rare d'avoir de beaux circuits dans le CTGP. Oh là là, oh là. Carapace bleue. Purée. Pour une fois que c'est moi qui en balance. Quand même long ce circuit. Oh purée, eh oh, ça va. Ouais. Il est assez long. Mais bon, il est pas chiant. Le tracé est sympa, donc... c'est pas non plus trop long. Voilà. Oh là. Ah, t'es passé long du coup. Oh, mais l'étoile dégage! Yatta! Oh purée, mais non! Carapace bleue, qu'est-ce qu'elle fout là? Verte! Il y a de la skill là. Sûr. Oh yes. Vais-je finir premier? Fireflame a cappella, la nouvelle chaîne. J'ai un max d'objets. On me prend plein de choses, mais j'ai fini quand même premier. Non, mais non! J'avais deux champignons. J'aurais pu l'avoir à la fin, quoi. Bon, première victoire, ça va mieux. Ce n'est pas quand même la grande joie. Là, je peux regarder le classement. Un pack baby. Ah, non, c'est
72 et 59. Je vois 59 toi. Ah oh. Ouais. Compliqué circuit. Ah, on tombait toujours sur celui-là, dans Mario Kart Wii U. Non, c'était ouais. Pas avec toi, c'était avec Mister Y. C'était assez incroyable. Ouais, tombe sur, une autre sur... personne mais qui n'est jamais passée sur la chaîne. Et que tu connais. Ouais. Ouais. Là il y a du game, hop là. Un petit saut. C'est une technique pour prendre de l'aspiration, rouler un peu plus vite. Dans Mario Kart 8. Voilà. Tu restes appuyé pour ton cul. T'es assez fair. Ouais. T'es assez fair play Firefly. Hein. J'aurais cru que. Aller ralentir à fond comme un fou. Ils ouais. Me prennent la carapace ouais, bleue. C'est pas ta même mentalité. Je suis dans l'entraide. Ouais. Mais pas comme Mister Y. Je connais pas ce type. Allez, vous avez joué il y a pas longtemps Oui, à Mario Kart. Pas le CTGP. Mais pas CTGP. Il n'a pas encore craqué ça, oui. Bon, de toute façon. Faudrait que je le fasse. Il est chaud pour avoir les 200 circuits là. Et c'est le seul jeu auquel il joue sur sa Wii donc. Ouais, mais de toute façon, il n'y a pas besoin de craquer sa Wii. Regarde la mienne. Oui, oui bah, c'est tu l'as demi-crack quoi. Ouais. Tu peux quand même lancer des jeux en ligne et tout. Bah, c'est même pas craqué quoi. Ouais, ouais. Il y a quand même un petit risque en fait. Ah ouais. Avec la bombe là. Si tu te plantes. Ah oui. Dans les procédures. Là c'est quand même simple, mais voilà. Si vous avez l'adresse XP, IP. Ouais. Tu la donnes. Ah. Le retour. Bon, je me prends. Oh purée, mais il y a ma banane devant quoi. Putain, mais c'est fou ça. Je me prends deux crabes. Oh là là. Il fait le plus compliqué le gars. Le gars il voit des cubes, il passe entre les deux. Ah salaud. Luigi énervé. Ok, c'est pas trop grave. Ok. On peut continuer. La vie continue. Ok. Bon, est-ce qu'il y a un circuit qui va nous enthousiasmer un peu là? Bah, celui d'avant, avant celui-là, il était bien. Oh, ah. Pff, super nul ça. Ouais, mais c'est encore un circuit GameCube. Allez, toi, tu vas y arriver là. Oui. Oh, mais ils ont quand même repris beaucoup de d'anciens circuits. Celui-là, il n'y a pas eu beaucoup de boulot en fait. Hein. Hop, on prend le fichier GameCube, hop, c'est bon. Ah bon? Bah, limite, c'est ça là. Ils ont pas refait. Ils ont pas tout repris à zéro quoi. Ah, pourtant, ça a changé. Ouais, un petit peu, ouais, ouais. Mais c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'effet de lumière. Ah, ouais. Il n'y a même pas d'ombre. Alors que sur GameCube, t'as les ombres et tout, et du coup, c'est plus sombre. Quand t'es en dessous. Voilà. Ils ont enlevé les effets trop. Complexes pour la Wii. Sur GameCube, ils sont plus 8. Là, il y en a 12, donc attention. Faut pas surcharger la console. Savoir que c'est une GameCube déguisée en fait. C'est officiel ça.
Wii égale GameCube, sauf que tu peux faire des gestes Just Dance. Voilà. Globalement. Just Dance. The reference. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, quand la GameCube est sortie? Ah ouais, Super Smash Bros, Melee qui était énorme, double dash parce qu'il y avait deux conducteurs, enfin deux personnages sur un kart. Alors, Tale of Symphonia, Button Kaitos. Button Kaitos. Ouais, voilà. Des jeux cultes, hein, Zelda Wind Waker, Ultra Princess, voilà. Et la Wii, ça vous fait penser à quoi? Just Dance. Voilà. Ouais, la carapace devant moi, voilà, c'est beau. Sérieux? Oh, bruit! Et non! Oh, putain! Et voilà, c'est la fin. Putain, s'il me double encore pour pas trop pas, je le défonce. Non, je suis un salon! Ce rire. Vous ne le voyez pas, mais Firefly est en PLS. Je regrette de ne pas avoir acheté une webcam. Putain, coupe trop, pas de merde. Pas de personnalité, ce personnage. Que moi, mon Luigi, il sent la transpi, quoi. C'est un vrai. Il sent la transpi. Il a la moustache, tu vois, et tout. C'est un vrai routier, quoi. Je sais plus quoi faire. Ouais. Bah, Nintendo 64. Oliver, petite question. Oui. Si vous êtes sur une île abandonnée, oula, déserte, quel jeu vous choisissez? Deux jeux à emporter avec une console. Pas de PC. Hein. C'est compliqué. Je dirais. C'est... Il y en a trop des bons jeux en tête là. Deux jeux avec une console. Et bien sûr la console avec l'ordre au jeu. Oui. Évidemment. La GameCube. Forcément. Avec Ah oh là là. Un petit Super Smash Bros peut-être. Enfin faudrait que ce soit du multi quand même. S'il n'y a pas de multi. Et le deuxième jeu. Non mais il n'y a pas de multi parce que vous êtes un seul. Il n'y a pas de jeu. Vraiment tout seul. Du coup bah... Non bah du coup un petit Tale of Symphonia. Avec un Fire Emblem puisque je rejoue souvent à Fire Emblem. Il y a eu du replay, attention. Les plays valus. Voilà. Fire Emblem, Path of the Wild. C'est rejouable ça, ces jeux? Hein? Je veux dire, c'est rejouable. Les expériences, ils peuvent différer selon les parties. Oui, oui. Bah, surtout, c'est Fire Emblem, surtout, qui... Quand tu le refais, à chaque fois, tu peux choisir telle troupe. À chaque partie que tu veux évoluer, enfin, telle unité. Voilà. Et ça peut changer l'histoire aussi. Donc c'est pas mal. Mais j'avoue, par contre, Tale of Symphonia, on peut pas vraiment faire une partie vraiment différente. Scripté. C'est scripté. Enfin, on peut faire une partie un peu différente, mais. Si on fait que l'histoire principale, pas tellement. Et après, c'est assez vaste. Beaucoup de quêtes optionnelles. C'est très vaste, open world. Hein. Oh purée! Ça... Yeah, ça m'a passé par-dessus le bord. Oh là là. Oh là là.
Oui, je te plein les chaussures. Bon, en plein dans la clôture là. Et toi, Firefly? Un PC avec Rome Total War, voilà. Non, on a dit pas de PC. Ah oui, oui, c'est vrai. Il n'a pas beaucoup de choix. Ouais, je vais faire un choix un peu, vous allez dire, c'est un peu... PS3 avec Silent Hill Homecoming. C'est un peu beauf. Ah, FIFA. Mais arrêtez, Oliver, arrêtez. Je dirais plutôt sur des consoles que j'ai déjà expérimentées. Parce que j'ai même pas expérimenté. La PS2, la PS3 et la Wii. Enfin, la Wii avec Wii Sport et c'est tout, quoi. C'est sur des jeux que je possède déjà. Et Wii Sport Resort, attention. Il y aura pas grand-chose. Ouais. J'ai la PS3 et avec... Oui, Fireflam n'a pas Mario Kart sur sa Wii. Voilà. J'ai la PS3 avec FIFA 15 et GTA 5. C'est bien beau. C'est parfait. Tu sais, avec GTA, c'est quand même... C'est bien. Tu fais de l'exploration. Ouais, tu vas voir les putes et tout. Non, mais t'explores la campagne et tout. Ouais. Ouais, avec Trevor, là. Ouais. Qui va dealer quelque part avec des dealers de drogue, là. Ouais. Oh. Mes jeux favoris se comptent sur les doigts d'une main, donc. C'est ça le problème. Je mettrais quand même Mario Kart dedans. Oui. Ah, et si tu as CTGP? Mario Kart CTGP. Oh. C'est vrai que j'y ai pensé. J'ai pensé à dire la Wii avec CTGP. C'est ouais. CTGP, t'as besoin, pas besoin de réseau. Juste de le télécharger avant de partir. Sur l'île d'Azur. Ouais. Oh purée, non. Oh non. Oh non, je vais tourner le gazon. Là, ça va, c'est pas trop long. Mince. En fait, c'est pas raccourci d'aller là. C'est même tout pourri, on va... Au-dessus de tout, c'est lui. Oh, la misère. 9e et 12e. Ah. Ah. Désolé. Ah. Ah. Oh non, je vais leur faire la même chose. Putain, plein de champignons là. C'est un peu abusé. Oh, pignon, tu vois. C'est fun! Oh yeah! Oh yeah! Oh! DS! Ah tiens! Tu connais bien ce circuit. Très très bien. Ah ils l'ont changé un petit peu. Avec, normalement il y a des fusées, il y a des billboards normalement, mais là il y en a pas parce que. Parce que c'est un mode. Ah si, il y en a. Ici, c'est bien. Ouais. Un peu spécial les boules, mais. Ouais. Ça me permet d'assurer ma place sur le podium. Ouais, et bien les taupes aussi. Un circuit là, je l'ai fait pas mal de fois quand même. Il est pas mal. Ouais. Ah. Sur DS? Ouais. Oui, il est que sur DS, de toute façon. Il n'y a pas eu de remake dessus là. Que des bons circuits sur DS. Mais sur DS, oui, ils sont vraiment bons. C'est incroyable. Ça m'a étonné. Il n'y a pas un circuit qui est pourri de chez pourri. Il y a le Wii Pinball aussi qui est trop bien. Ouais, parce que peut-être il y a
dans Double Dash, ça a beau être mon préféré et tout, parce qu'il y a certains circuits qui sont indétrônables, comme la route arc-en-ciel, la fameuse. Il y a aussi la route arc-en-ciel sur... Ouais, mais elle est pas géniale, je trouve, dans sur DS. Enfin, je sais pas. Il est pas... C'est pas la magie, peut-être c'est la nostalgie, je mais sais pas. Mais il est en remake, en plus, hein, sur DS. Ouais. De la GameCube. Ouais. Ok. Et franchement, je pense, moi, ça m'étonnerait pas que... qu'il y ait des fans de Mario Kart qui... pour eux, le meilleur Mario Kart, ça soit celui de la DS. Puis c'était portable, ouais. Tu pouvais jouer en multijoueur. Et oui, oui. Premier jeu online. Alors que sur GameCube, à peu près au même temps, t'avais pas de multijoueur. Oui. À la même époque. La GameCube n'avait pas de multijoueur. Ou alors t'étais obligé d'acheter un adaptateur à la con, qui était en rupture de stock au bout de 2 semaines. Et finalement, tu rencontrais que des Japonais. Je suppose. Eh, des effets de lumière sympas quand même. Ouais, ouais, c'est pas mal. Voilà. Ça aussi, cool. C'est pas mal. Insolence. Bon, les flammes sont mieux faites sur DS, mais... il y a eu de l'effort. Et sur DS, le jeu, il est bluffant, hein, graphiquement aussi. Ouais. Pour de la DS, c'est incroyable. Parce que beaucoup ont acheté la DS pour ce jeu aussi. D'habitude, la DS, elle fait de la 3D dégueulasse. Même Rayman, par exemple, sur DS, c'est un peu dégueulasse. Et là, on a franchement une version vachement propre de Mario Kart. Ton jeu DS préféré, c'est quoi? Mario Kart. Non, je rigole. J'y ai pas beaucoup joué. Mais moi, je dirais... Chrono Trigger. Oh purée, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? RPG? Oui, RPG. C'est toujours des jeux RPG, mais je préfère. Pourquoi? Parce que derrière une histoire, j'étais à fond dedans... Mais en plus, t'es un gros fan de plateforme. Oui. J'aime beaucoup... j'ai beaucoup aimé le Super Mario Bros. Wii. DS. Mais oui aussi. J'avoue que sur DS, par contre, en jeu de plateforme, à part nous Super Mario Bros. DS, il n'y a pas eu grand-chose. Non. Les Simpsons. Ouais. Bon, un Simpson... il était pas mal, celui sur GameCube, là. Un peu un GTA-like, là. C'était marrant. Voilà, le circuit de la GameCube, celui-là aussi. Voilà. Bon, je le dis, on est à la moitié du circuit. Et toi, ça frôle le chaud et le froid sur GameCube. Je dirais que 80%, ou allez, que 75% des circuits sont vraiment très 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 bons. Et le reste, vraiment, bof, quoi, pas ça. Mais... C'est lesquels qui sont... Alors que, par exemple, je trouve que sur DS... bon, on n'a pas des circuits très 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 bons, mais ils sont pas loin du très 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 bon, et ils sont tous vraiment bien, en fait. C'est rare, on n'a pas un circuit vraiment pourri sur DS. À part pour les vintage, quoi. Oui, quelques circuits vintage, oui. Ouais. Mais... Oui, qui reprennent la GBA ou je sais pas quoi. Ouais. Et sur Wii, par exemple, moi, la Wii, je les trouvais pas fous, les circuits, quoi. C'est surtout parce qu'on joue à 12 et qu'on peut jouer à 4 avec les ordinateurs. C'est ça qui faisait la force de la version Wii, mais sinon, les circuits en question, ils sont pas fous. Hein. Ça va peut-être en frustrer plus d'un. Un certain Yu-Yu pourra peut-être se reconnaître. Commence pas avec ta référence d'abonnés. Ouais. Un certain Choupi. Yu-Yu.
Et non, mais pourquoi tu redis ça? Quoi? Ce fameux chiffre interdit. Ouais, mais après, on dit pas ce qu'il y a après. Ouais. Oh, c'est la guerre. Ouais. Oh, purée! Elle est bonne, celle-là. Parce que Yuyu, il speedrun le Mario Kartouille. Hein. Ah ouais, c'est le gars qui a un chien. Oui. Qui a une photo de chien. Il a plus sa photo de chien, je crois, maintenant. Ouais. Je pense que j'ai eu sur sa chaîne YouTube, il y avait des trucs de Mario Kart. Ouais. J'aime bien ça. Les gens qui se prennent pas la tête avec les RPG et tout. Oui, voilà. Oui, mais en plus, bah il est beaucoup RPG quand même. Mais... Ah merde. Oui, mais il en fait pas trop. Il en fait pas trop sur sa chaîne, c'est bien. Il fait vraiment... Il est spécialisé sur le du Mario Kart. Après, peut-être que dans ses vidéos, il peut parler un peu de RPG, des petits trucs vite fait. Pour meubler, quoi. S'il y a un gros blanc, c'est un peu comme nous. Oh là là. Là, je pense pas que je puisse prendre le raccourci, là. J'ai pas assez de vitesse avec ce véhicule. Et... Tente. On peut le faire sur GameCube parce qu'on a un peu plus de vitesse. C'est vrai que sur GameCube c'était bien parce qu'on allait vachement vite quand même. Ça c'était bien. Sur Wii j'ai l'impression qu'on se traîne un peu. Il affiche. Oh là. Tout va au ralenti. Ouais voilà, on se traîne un peu, tout va au ralenti. Oh putain, j'ai de la chance. Oh là là, il a le nuage à la fin. Le gars. Oh là. Tu sais que c'est bénéfique d'avoir le nuage à la fin parce que t'as un petit boost. Ouais, mais faut pas qu'il se déclare, que l'orage se déclare. Qu'il se déclare. Que l'orage se déclare trop tôt, quoi. Question de timing. Et oui. Pour le savoir, télécharge l'application sur ton smartphone. Météo, je sais plus quoi. Météo intérieur. Ouais. Voilà, bon bah, on se finit sur un circuit très classique. De la. Bonne baby. De Mario Kart 8. Voilà. Après, peut-être que c'est un vintage aussi qui vient. Ouais, c'est un vintage. Oui, c'est un, la Nintendo 64, peut-être. C'est vrai qu'il est vraiment classique. Oh, plus. Et Mario Kart 8, je trouve que c'était un peu. Ils se sont un peu réveillés là, ils ont fait des bons circuits. Mais c'est pas du niveau de Double Dash. Et pas de DS. Franchement, s'ils font un Mario Kart DS remake sur Switch avec des graphismes actuels là, attention. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de circuits DS qui ont été refaits. Mm. Comment ça se fait d'ailleurs? Sur quoi? Ben ah oui, sur les autres. Mario Kart 8, c'est quand même le jeu où t'as le plus de circuits vintage refait, quoi. Et il me semble qu'à aucun moment t'as un circuit DS. Ah bon? T'as que 3DS ou. Alors 3DS, c'était sympa, mais sans plus. Non, vraiment, il y avait que de la flotte dans 3DS. Ouais, et puis. Le désert. C'était un peu oubliable quand même. Il était sympathique, mais. C'était plus pour le côté technique, parce que c'est vrai que graphiquement, et pour un jeu de console portable, il était fou. Ouais. C'était plus beau que sur Wii déjà, donc. On était en semi-HD, attention. avec le fameux spécular. Ok. Je vais reprendre le nuage. Oh mais non! C'est n'importe quoi! Mais c'est vrai que ouais, ils ont pas. Peut-être un circuit de la DS. J'en ai pas en tête en fait. Non. Non, il en a pas un seul. Et s'il reprenait un circuit de la DS, ça serait un vieux circuit Yoshi. Ah si, voilà! Il y a un circuit raté sur DS. C'est le circuit Yoshi. Les cascades Yoshi. Cascade Yoshi. Ah, c'est trop bien. Ah, il est pas foufou. Bah, il est court, mais. Il est repris sur Wii, voilà, c'est ça. Il a été repris sur Wii.
Mais tu vois, le circuit nuage, par exemple, il était ouf sur DS. T'as repris aussi. Un circuit de nuage. Ouais, c'était un remake. Ah, c'est pas le dernier. Ah, mais purée, mais. Je suis sur place là, laissez-moi là. Laissez-moi passer la première là, je vais caler. Voilà. Petite remontée. Si Fireflav termine premier à la fin, ça serait magnifique. Mais... Ouais, tu loupes déjà coup pas trop pas, ça sera bien. Ah. Oh, oh, c'est, oh, beau. Oh, oh. C'est beau. J'ai regardé ton écran. Mec, obligé de faire une manœuvre. Oh, le malouf. J'ai regardé ton écran. Et puis, c'est ta faute. Ah là là, pourquoi j'ai regardé. La curiosité est un vilain défaut. Ce gros fail à la fin, c'est magnifique ça. Merde, je suis la tondeuse mental. À la fin, ce serait vraiment con. Enfin, moi j'ai fait plus que la tondeuse. Ouais, je commence vraiment à avoir mal au doigt, dit que c'est stable. Ah oui, ouais. J'ai vu que. La petite pause de fail. Bon, c'est bien, je termine. Oh là là, pop pop pop. Oh, super. Cette finale. Bon, je finirai quand même à 27 points de leader placement. Ouais. Largement deuxième. C'est triste. 27 points et 27 points de coupe à troupeau. Oui. Voilà, voilà. C'est très équilibré. Voilà, voilà. Bonne nuit. Bonne nuit, les enfants. On va voir le petit podium qui fait du bien. Le petit podium. Oh là là, Luigi est là. Oh là, c'est rare. Non, j'étais sur le podium tout à l'heure aussi. Oui. En off, c'est rare. Mais en live. Enfin, en vidéo, il y a plus de skill. J'ai quand même un peu de skill hein, sur cette GP. Oui. Bon, on va se quitter sur cet écran titre. Magnifique, voilà. Magnifique écran titre. Voilà. Sur ce, bonne nuit. On dit oh, bonne nuit. Bonne nuit à tous nos téléspectateurs. Va pas tarder à tomber la tête la première sur le parquet. À la revoyure. Pour de nouvelles aventures sur la chaîne Oliver Flav et sur la chaîne secondaire Oliver Plasma. Oui. Comment ça s'appelle déjà les trucs que tu fais? Les sagas MP3. Pour les sagas MP3. Yeah, yeah. Castlevania. Petit lien dans la description qui yeah. Va passer au calme. Bah, au revoir. À la revoyure. Pour de nouvelles aventures. Voilà. C'est fatigant les vidéos. C'est... Je vais laisser ça. Combien de temps? C'est une grosse vidéo. 1h44.